Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu My Time at Portia. Donc sur PC, un jeu qui m'a été offert par Ion, Linkbest, sans trop pseudo. Encore une fois, merci à toi. C'est reparti, on va où? J'ai l'impression que mon personnage a grandi ou alors c'est moi qui craque. Peut-être parce que j'ai changé de vêtements derrière moi et du coup ça fait un peu bizarre. Bref, on y va. À la base, il y a les cheveux longs, mais on les voit plus à cause de la... Du couvre-chef. Ils sont jolis ces petits dessins là comme ça, en mode speed painting. Ah ouais, j'avais oublié qu'il faisait tout froid là-dedans. Voilà, bonjour. On va lui donner des petites affaires à... Ah, c'est chiant, c'est pas ça que je voulais. La bataille de bonnet, je m'intéresse pas, merci. Avant qu'il ne se déplace à nouveau, hop là. Discuter. Regions are freezing. Météo. Une tempête de neige demain, alors vive la neige, vive la neige, vive la neige dans l'hiver. Non mais non. Et je veux cadeau. Tiens, je t'offre ça. Merci, je m'attendais pas à ce que tu me donnes ça. Je t'en donne un tous les jours, donc c'est un peu bizarre que tu t'y attendes pas. Je pense qu'il y a baleine sous caillou à ce stade. Alors, il va falloir que je me tienne éveillé. C'est désagréable parce que hier j'étais content, je me sentais plus réveillé au niveau du jeu. Bien, et il a fallu que je dorme mal cette nuit, quoi. Ah mais c'est bon, il s'occupe de les nourrir, tout va bien. Normalement. Est-ce que par hasard, là... Non, c'est pas ça que je voulais voir, zut. Je peux aller tout au bon endroit. Il va falloir que je me réveille. C'est là. Mais elle a pas été tout le blé. Là, il y a un pommier géant, peut-être. Je ne sais pas. On va aller voir les ressources et le courrier. De Ginger, mon frère a ramené des pierres colorées de son voyage récent à Cime Céleste. Je les ai montées sur un collier, je te l'offre et j'espère qu'il te plaira. Il est très joli. Tu pourras aussi utiliser ton atelier pour en fabriquer l'autre. Merci à Ginger. Bah, où est-ce qu'il est arrivé le collier? Je ne l'avais point pris. Plus 11 en attaque. Non, mais attends, viens. On va donc remplacer le collier. Voilà. Ah, ça a pas remplacé celui que je m'attendais. Bon, tant pis, pas grave. Tu m'étonnes, Chirine. Bonne nuit à toi, fais de beaux rêves. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, bisous. Oh, c'est gentil. Merci. Repose-toi bien. Hop, ça c'est fait. Faut que j'aille chercher une nouvelle recette à accomplir. L'école n'a toujours pas été reconstruite, donc il va falloir sûrement attendre une petite journée. Qui ma foi est plutôt une fois un truc à grignoter, c'est pas possible. Nous, ville, nous avons urgentement besoin des suivants deux toits avec cheminée. Deux plaques de cuivre. Oh, les puits en gros, normalement, c'est un peu gonflant. 110. C'est ce qui rapporte le plus, ça. On va prendre ça, on verra bien ce qu'on peut en faire. Ah, j'ai la faim, oui. J'ai très faim.
Et comme je me sens un peu capoute là tout de suite, enfin je sais pas si capoute est le bon mot, mais un peu au ralenti. Ça donne encore l'impression d'avoir plus faim. Encore plus l'impression d'avoir faim. Pourquoi j'ai une cuisinière en plus là? C'est bizarre. J'en ai fait 6 au lieu d'en faire 5. Donc toi cheminée, est-ce qu'on peut l'écrire directement par là? C'est pas là-dedans. Donc où est le toit avec la cheminée? Non. Machine, alliage, tapis. Bah ça se crée où un toit avec une cheminée? Là je suis perdu. Toit avec cheminée? C'est que je sais pas le faire ou... Parce que là y a rien de tout ça. Me dis pas que j'ai chopé le seul truc que je savais pas construire. Grill. Je ne vois rien qui ressemble à un toit avec une cheminée. Mais vraiment rien. Ah bah si, c'est là. Oh, quel quiche. Ok. Il nous manque grand tuyau 2. Donc il me faudrait... 4 grands tuyaux et 2 grands seaux en fer. Tuyaux en cuivre, j'en ai que 2. Donc il va d'abord falloir que je fasse des grands tuyaux. Donc d'abord, c'est pas les tuyaux peut-être. Par contre, je vous ai abandonné un petit peu mon nom, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes à nouveau. Ouais, mais on a vraiment rien à ce niveau-là. Grand tuyau, on en crée 4, 5, 6, allez 6. 6 fois 2, 12, donc on sera large. J'ai quoi d'autre? Grand tuyau et... Et je sais plus quoi. Je suis perdu. Je sais plus. Bon, je vais revenir. Comme je vous dis, hop, petite pause rapidement. Voilà, désolé pour la coupure. Hop. Donc, on disait qu'il nous fallait quoi? Ah oui, les grands seaux en fer. Voilà, merci. Bon, en fait, je me suis pris du Cantal.
avec des biscottes. Parce que j'ai pas le pain, j'ai plus de pain. Et ça prendrait 2h30 pour en faire à peu près, donc... presque 3h. Pour qu'il soit prêt, que la pâte se prépare, etc. etc. On avait dit des grands sauts. Grands sauts. Ah mais là aussi il me faut des tuyaux. Ah mais c'est là qu'il me les fallait. Ah, attends. Faut que je me débarrasse d'une partie des éléments que j'ai. J'en ai mis combien à faire des grands tuyaux? Je sais pas où on va. J'en ai mis 6 à faire, ok. On va mettre des grands sauts. Je crois qu'il en fait les deux. Donc on va essayer d'en faire 3 ou 4. Ils sont où ces trucs? Là. Je sais même plus si j'appuie sur le bon bouton ou pas. Faudrait que je me prévoie toujours plus d'amuse-gueule en fait. Sur 20, 6 sur 29, 4 sur 10, 6 sur 29, 7 sur 29, 10 sur 29, 10 sur 16, 6 sur 20. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement le calcul des objets comme ça. Ah mais quand on dit qu'ils sont grands les sauts, ils sont vraiment grands en fait. D'accord. Alors on en est où là? Ah, j'ai toujours pas assez de grands tuyaux. Ça a été plutôt rapide. Ah si, j'ai eu un grand tuyau dans l'histoire. Pardon. Je suis irrécupérable. Encore pire. Bon bah voilà. On sait qu'il y a la bataille des boules de neige pas loin. Que tout le monde est là-bas. Sûrement. Ou presque. Jack qui revient pour se servir de lait. Ah bah ça y est, non. Voilà, c'est là qu'elle a eu la bataille des boules de neige. Et je me rends compte que je n'ai jamais participé à une seule d'entre elles. Ah, Gail, qu'est-ce qu'il voulait? Que devrais-je faire? Qu'y a-t-il? Oh, Itis, ce n'est pas grave. C'est juste que j'ai commandé un nouveau livre pour ma fille le mois dernier. Mais à cause de quelques imprévus, la livraison est très retardée. Alors j'essaie de trouver un autre moyen pour obtenir ce nouveau livre. Le vendeur mystérieux est revenu en ville hier. Il avait un nouveau roman, mais il a refusé de me vendre pour une raison inconnue. Il a dit que si qu'il me l'échangerait contre un masque de chef panda. Je ne possède pas ce masque et je ne sais pas le fabriquer. On va essayer de s'en occuper du mieux qu'on le peut. Par là, par là. Hop là. Il
Mais j'ai un masque de chauve panda à faire. Ah, je l'ai pas mis. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Yes! Allez-vous rajouter le grand tuyau, s'il vous plaît? Il y a du mieux. Toc, toc, je prends. Merci. C'est quoi comme puce? Puce agriculture. Appliquée en gris, on connaît déjà. C'est dommage. Ça, faut que je le revende, parce qu'on l'a déjà utilisé. On monte à 200, hop là. On va essayer de trouver le vendeur mystérieux. Normalement, il était bien là dans la journée. Je crois que c'était une arme qu'il avait à la main, genre une petite hache, un machin comme ça, pendant quelques secondes. Hop, il est juste ici. On s'en l'avait déjà vu. On va chercher son masque de chauve panda. Ah bah j'ai déjà sur moi. Bah tiens, cadeau. Okay, not bad, not ah, c'est pas mal, l'équilibre est bon, ça fera l'affaire. Voici ton livre, amuse-toi bien. J'adore les biscottes avec du fromage. Le seul problème, c'est qu'en live, ça fait un de ces bruits à croquer, puis ça te déforme tout le visage parce que t'es en train de mâcher ou le stocker sans avoir mâché en continu, ça fait un bruit énorme. Ça en passe, il y a plus pratique. Bah, il est où? Il était pas là? Par mon nom. En train de revenir à l'extérieur là ici. Voilà. Oh, c'est génial. Ginger attend son roman depuis si longtemps. Merci mille fois. Mais de rien, bon monsieur. Ok, suivant. On doit inventer des biscottes qui font pas de bruit quand on les mange. Vous l'avez compris, chez moi ça résonne la dentition, donc forcément ça fait encore plus de bruit. Alors, bonjour. On en est où? Au niveau dessus, on devrait être bon. On va tout déverser ici. Comme ça, ce sera fait. Ça s'appelle du pain de mie. Eh, c'est vrai que c'est pas bête. Eh hey. Mais c'est moins bon que les biscottes. Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Voilà, faut que je m'en fasse. Tu crois que ça se fait soi-même, le pain de mie? C'est vrai que c'est évident maintenant que tu le dis. Heureusement que t'es là. Manger 2 tonnes de biscottes, ça passe super bien dans le petit déj aussi. Quand t'as plus de pain. Genre tu fais une biscotte, tu mets la même épaisseur de beurre dessus et hop, tu les trempes dans le chocolat chaud. Et c'est ainsi que bienvenue au paradis. C'est bon, toutes mes bêtes sont heureuses. À première vue, oui. Mauvaise saison. Pour la citrouille, il y a quoi qui pousse en hiver?
pas ça que j'ai tout balancé là-bas. Je suis pas sûr qu'il récupère les graines correctement. Il en reste une comme ça avec du coton, donc on va le planter. On verra bien ce que ça va donner ensuite. Graines de blé, ça pourrait être utile. Mais je parie que c'est pas la saison non plus. Salut Kawa Sutra! Je vais bien et toi? Faut que je coupe le son. C'est la mauvaise saison. On a une poule qui reste. C'est bon, on a les deux? Yeah, baby. C'est vrai? La petite fille qui chante dans un film d'horreur. Tu veux que la musique qui passait à fond dans la voiture, c'était la petite fille qui chante dans un film d'horreur? Ou ça ressemblait à ça? Est-ce qu'il y avait de la brume? Parce que ça se trouve, aujourd'hui, tu as assisté à ta première séquence de film d'horreur sans film d'horreur. Enfin, sans côté film. C'est-à-dire que c'était un homme horrible ou une personne horrible dans une Tesla. Et en fait, il n'y avait pas de musique. Aucune musique. C'était la petite fille qui était arrière dans le coffre. Bon. Allez, on y va. À l'intérieur de la Tesla, à l'intérieur de la petite fille, ou... dans le film d'horreur, ou à l'intérieur, dans le sens... t'étais dans un bâtiment. Faut que j'arrête de grignoter, c'est terrible. Une fois que tu tombes dedans, c'est foutu. Tout si c'est bon, en plus, cette saleté. Ah, après en parler. Bien sûr que c'est ça là. Mais de temps en temps. Ça réveille. Quoi, il a bien dit ce qu'il a dit? Oui. Seulement le mardi, ça passe. De quoi? Je n'ai jamais fait ça, sauf une fois au chalet. Alors, ça pousse. Attends, toi, faut que je te livre un petit moteur. Un petit moteur tout mignon. Je sais pas ce qu'il fait avec ses moteurs, ça se trouve il est en train de monter un vaisseau et il va tous nous détruire en passant par une planète. J'ai plein de terre, j'ai plein de choses qui servent à rien là-dedans. On a 167 sur 300. Moteur, là. Quoi, j'en ai pris deux. Yak, viens là. Lara, Lara, Lara. Oh, Lara.
King of North, my joints are freezing. Ouais, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il y aura ça, merci, mais quel bonheur. Ça va, il est pas compliqué à satisfaire du coup. Coucou Phila. Allez où? Je sais pas. Pourquoi cette question? Ai-je dit quelque chose qu'on allait quelque part ou je sais plus? Au secours, je suis perdu. Est-ce qu'on va... On va récupérer ça. Bon, je sens qu'on va encore passer une journée où il se passera rien. À part la commande. Mais on est en plus, on est samedi, il n'y a même pas de commande. Le monde est mal foutu. Ne vous inquiétez pas, bientôt j'aurai plus de fromage. J'ai beau essayer de le savourer. Par contre, j'ai encore plein de biscottes. Alors, jouons au 0 des 7 des 4 différences, ou 3 ou 2. Ça dépend de l'objet. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce fauteuil, quoi? Tout trouvé! Je t'avoue que je sais plus tout de quoi je parlais. Quelqu'un s'en souvient, ou pas du tout. L'histoire des petites filles et tout, j'ai accidentellement cliqué sur le live de Chacha Gray. Je sais pas qui c'est. Je veux pas zoomer. Il y a vraiment des trucs qui sont tout petits, 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 petits. Elle, je l'aime pas en général. Il y a 4 heures à trouver, j'ai déjà du mal à en repérer une, quoi. Dessus de la machine. Ah oui, là. Faut que j'arrête de chercher vraiment avoir une différence physique entre les deux. Peut-être que je cherche juste un petit trait, un petit machin qui est dans mon coin. Si tout devenait trop facile, après ça marcherait pas, non? Que le tapis est différent. Ah oui. Bravo.
20 secondes, ils vont me dire échec. Mais non, c'est faux. Non. Tant pis. C'est un échec cuisant pour le Hiti. Bon. Bon, on fait quoi? Le robot il m'avait pas dit que ça neigerait aujourd'hui. Je crois qu'il est pas du tout doué pour la météo en fait. Déjà je souhaitais. Alors, marre des points à chaque fois que la boule de neige heurte quelqu'un. Mais Mars t'a découvert, dans l'ensuite de la boule de neige, la trajectoire de la boule de neige. Remarque, participer nécessite au moins 15 points de fortitude. Boule de neige restante, ok. C'est bien gentil, mais y'a personne qui joue avec moi. Oh, ici y'a des gens. Ouais, ce 12 à voir. Ouais. Ah zut. Taux de réussite 52%. Je reste dans la marge. J'ai la moyenne. Bah justement, ouais. Je suis un peu dégoûté. Sam. C'est qui Sam? C'est moi? Ah bah non, je fais 130 points en record. Carole Wax. Donc c'est clairement pas moi. Thé rouge, soupe de poisson épicé, soupe de dragon et des badges. Donc j'ai rien gagné du tout. Ah si, un petit peu. 15, 5, 4. Bah voilà, on aura participé, ça nous aura fait passer un petit peu le temps. Bon, parce que normalement, il nous reste quasiment rien à faire. C'est-à-dire que là, on doit attendre encore une fois que l'école finisse de se construire. 129 000, bientôt je pourrai acheter le final du terrain. 144 000. Bon, pas grand-chose. Hein. Il ne manque pas grand-chose. Bon, ce fromage était trop gros. Je pense qu'on peut en conclure quelque chose en fait. Hack fait une très mauvaise station météo.
On balance quelques petites choses. On aurait pu être plus tranquille après. Voilà qui est fait bon. Et sinon, à part ça. Toi là. Parle-moi des recettes. Tête de poisson mijotée à la sauce soja. Ah ah, bon choix, elle passe à plat. Le plat appelé mijoté à la sauce soja peut être préparé avec l'ingrédient suivant: saumon doré et sel, sucre. Il est où le soja? Aujourd'hui, la pâte à tartiner chocolatée sera préparée avec de l'huile de palme, du sucre, de la noisette. Et marqué chocolatée? Bah non, pas chocolat. Bon, bah où? Je crois qu'il y a un petit peu de résine là. Bon, ok. Je sais pas de quel côté partir et quoi faire. C'est un peu embêtant cet aspect là du jeu. D'attendre là que le temps passe, juste pour essayer d'avoir la quête principale, la suite de la quête principale, l'école a toujours pas été reconstruite. Peut-être parce qu'ils sont en train de faire la fête pour pouvoir se lancer des boules de neige. Allez savoir. Rien de rien. Il semblerait que non. Bon ben, je sais pas. Ouais. On va quand même essayer d'avancer plus vite. Bon. On va couper la rediffusion dégueulasse ici. C'est dégueulasse parce que j'arrive pas à grignoter et faire du bruit. Du coup, j'espère quand même qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller travailler. Découvrez le travail des camarades filmeurs sur frappestejeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. À tout de suite. Je reviens. Pam 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 p